Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode des Let's Play de la peur. Oui, ça va faire peur, encore une fois. Et c'est moi qui décidais volontairement de faire ces jeux. Génial! Aujourd'hui, on va tester Boogeyman. Let's boogie! Non, ça n'a rien à voir avec la musique ou quoi que ce soit, bien qu'il y ait Boogie dans le titre. Non, Boogeyman, en fait, c'est la traduction littérale de croque-mitaine. Donc le croque-mitaine, c'est un peu cette figure mythologique du monstre dans le placard ou caché sous le lit. Voilà, le truc qui permettait de terroriser les gamins, c'est attention, si tu es pas sage, le croque-mitaine viendra te prendre et te chercher. Exactement. Donc voilà, on va tester ça, on va découvrir ça. C'est un jeu Oculus Rift, mais ils l'ont patché récemment pour qu'il passe avec le Vive, donc je sais pas si ça va être parfait. On va voir, j'ai eu quelques soucis pour lancer le jeu correctement. Donc on va faire ça tout de suite. Attention. Alors ce coup-ci, on va franchir un espèce de palier. Ça sera toujours une expérience assez fixe, c'est-à-dire on va pas se déplacer dans une pièce, d'après ce que j'ai vu. Mais on peut utiliser une manette ou le clavier souris, on va faire ça à la manette. Donc voilà, donc ça c'est le couloir du tutoriel. J'espère que c'est pas trop gerbotron pour vous. Alors donc, les contrôles, donc pas d'Xbox, Xbox 360, c'est la même. Alors, les soies, c'est les gâchettes, c'est les boutons. Ouais, les gâchettes, ok, flashlight, action. Glow stick, j'ai pas du café, formidable. Cherry bomb, ok. Cherry bomb. Alors, c'est mieux de jouer avec un casque, oui, évidemment. En plus, j'ai mis le son bien fort, comme d'habitude, parce que je suis un inconscient. Alors, door, doors, hold the door. Roll the action button to open the door. Donc, the action bouton, c'est la gâchette gauche. Ok. Ah, c'est un peu gerbotron. Wow, que se passe-t-il? Tout va bien. On va arrêter d'avoir la trouille directement dès le début. Attention, certain someone may always be lurking behind doors. Ok. Slam the door shut by letting off the action button if you see a sign of danger. Ah, attends, slam. Donc. Attends, il faut maintenir. C'était quoi? Ah, chenou. Mais pour... Et ça fait un bruit un peu mignon, ça fait un... Ah d'accord, ah attends, je crois que j'ai pigé. C'est que... Attends, c'est selon comment tu ouvres, donc il faut maintenir. Et on peut relâcher, d'accord. Donc attends. C'était le petit requin qui m'avait bouffé. Voilà, avec le panda moqueur, là tout va bien. Tu te moques pas toi, tu te tais. Alors, plus d'instructions. The boogeyman has many ways of getting into the room. Listen for the unique noises to become more alert to which direction is coming. Ok, donc il faut se fier au son pour savoir dans quelle direction, enfin d'où va provenir le boogeyman. Your flashlight is our only weapon. Check under the bed when you are low on battery. D'accord, donc la lampe. Donc ça, c'est notre seule arme contre le boogeyman. Ça fait rigoler de dire boogeyman. Boogeyman! D'accord, il faut regarder sous le lit pour les batteries. Ça va être bien, ça va être bien. Make sure you don't hear breathing when searching under... Oh là 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 là. Donc faites attention de vérifier s'il y a des bruits de respiration avant de regarder sous le lit. Voilà, je pense qu'on va passer un très mauvais moment. Ça va être génial. Ça va être délicieux. The battery matter is on a shelf in the bedroom. Donc la jauge de batterie, donc de pile, et sur une étagère dans la chambre à coucher. Hold down the action button to search under the bed. Ok. Donc il faut recharger les batteries et donc... Ok, donc les rouges c'est les pourris, les bleus les meilleurs et les verts les intermédiaires. Ok. Pour l'instant, pige, house exploration, and cassette tapes can be switched off. Ok, donc à mon avis, il y a des cassettes de tuto, enfin, j'ai pas tout pigé exactement. The Thomas Room. Ah, putain. C'est parti, bordel de... Ah, ah, on peut se déplacer. Alors, c'est parti, nous sommes dans la chambre d'un enfant. Voilà, il n'y a rien de bizarre en ça. Attends. Je suis un enfant ou pas? Putain, le son il est à fond, franchement je fais n'importe quoi. Hop, hop. Évidemment, un vieil arbre dégueulasse complètement dépéri. C'est cool. Attends, je peux pas utiliser... Ah, si. Non, elle marche pas. J'ai pas ma flashlight, attends. C'est le jeu ou pas? C'est là, attends. Boogeyman 3.6 Nightmare Edition. Merci Barry McCab.
Qu'est-ce que c'est, cassette player? Ah, ouf, exploration. Bon, on va tout laisser. On va le laisser en mode vanille. Ok. Formidable, magnifique décoration. Un tutoriel, donc c'est là d'où je viens. Ok. Est-ce qu'on va par là? Nightmare Night. On peut ou pas? On peut pas. Alors, continue, new game, new game. Allez, c'est parti, on y va, on n'a pas peur. Thomas. Ouais, non, dans la chambre de Thomas. Night One. Night One. Je suis sur le lit. Je veux pas faire dodo. Ah, je peux pas bouger en fait. D'accord, donc en fait c'était la même map, mais c'était le menu. If you're listening to this, I sure hope you're not planning on sleeping in this room. Ok, c'est très glauque. Donc c'est Alicia, le Boogeyman a pris sa sœur, et donc elle m'explique qu'il y a des piles. Oh putain! Ok, donc première rencontre, enchanté. Très bien. Donc, Ok, donc attends, je peux juste... Je suis coincé sur le lit. Ah, mais c'est trop le piège, franchement, vous êtes des sales. Et voilà, peluche de merde, là. Attends, il faut que j'économise les batteries, donc attends, est-ce que c'est... Here, what's this? It's a flashlight, stupid. Everyone knows the bogeyman is scared of light. Oui, ben, ça so va, if je you sais. Ever get scared, just shine your flashlight, okay? Oui. Thank oui. you, El. I'll sleep much better now. Just make sure not to fall asleep with it on, otherwise the battery will run out. D'accord. Elle m'a dit voilà que j'abuse pas de la de la la la. Il y a des respirations, ça veut dire qu'il est sous le lit. On se calme, on va apprécier Memory Box, voilà, il y a des trucs. 2h20 du matin. Il faut que je tienne des nuits, c'est ça? C'est ça? Éteins. Voilà, j'ai mon câble qui me tire là de... je sentais une tension au niveau de la taille. Tout va bien. Donc ça c'est... C'est Bayonne, c'est le cochon de Toy Story, bonjour. Il est derrière, je suis sûr. La porte entre-ouverte, vous le faites exprès. Dégage. Dégage. Tu t'en vas, tu ne reviens plus. Je prends un accent anglais, ça n'a aucun sens. Cube verse, oh, c'est Minecraft. La poussière qui vole. Oui, bon, écoutez, je pense que dans cette situation, tout le monde aurait eu peur comme moi. 3h du mat, donc la nuit va être très longue. Donc, je suppose que c'est ça, la jauge de batterie. Il me reste deux briques. On peut pas déménager, Il y a un hôtel Formule 1 dans la... Je t'ai vu. Ah. Il me reste 2 briques. Attends. On va tenter le coup de l'aigle royal. C'est ça. C'est bon, j'ai récupéré 1 brique. C'est ça. Il est presque 4h du mat. Voilà. Oh non, vous êtes sale. Vous êtes très très sale. Monsieur McCrab. Tiens. Bon, je gère. Ah mais Luigi, c'est Luigi's Mansion un peu, c'est un peu ça. Beaucoup plus flippant, mais... Mais ça va. Mes sous-vêtements ne sont pas souillés. Pour l'instant. Thomas, tu dessines pas très bien. Je suis désolé, mais... En fait, il a 24 ans. Thomas, j'ai fait un vélo, un arc-en-ciel et... Désolé, faut que je dise de la merde pour pouvoir... Ce singe est dégueulasse. Pouvoir me changer les idées. Il me reste 2 briques. 5h du mat. Allez. Ça sent le Nutella et les tartines. Le chocolat chaud. On y va. Le petit-déj, on va regarder midi les zouzous. Sauf que c'est pas midi. D'ailleurs, ça existe, matin les zouzous, je ne sais pas.
Bon, on va se faire chier, on regardera télématin avec William l'énergie. Allez, monsieur Mann, monsieur Boogie. Let's boogie, let's dance. On a bien... J'aime bien dormir sur le bout de mon lit, assis en tailleur, voilà, ça me détend. C'est bon, c'est feng shui. Y a rien, y a pas de son. Allez, on va arriver au bout de la nuit. Il va arriver par là, je suis sûr. Il va arriver par là. Oui, oui, oui. Sloop, sloop. Smokeweed everyday. Oh oui, la lumière du jour. Oh oui. Et là, je vais me faire attaquer comme un sale. Allez, c'est reparti. On a survécu la nuit. Hein, on est devenu tout petit. D'accord, donc je crois que c'était buggé en fait. C'était buggé. Ok. C'est la journée là? Je veux pas tomber sur mes parents en train de faire des trucs, hein. Je veux pas être traumatisé à vie. Déjà que j'ai un boogeyman dans ma piole. Ça suffit maintenant. Hop, 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 hop. C'est un net clown. Ah non, c'est une cherry bombe. Yes. Un requin. Ah, je pourrais lui jeter une bombe à la gueule. Ah, ça serait trop cool. Je peux pas allumer. Y'a rien. Mais. J'étais à l'œil, hein. Ça suffit. Ah non, c'est la nuit. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce quartier? Tout le monde a les mêmes baraques, ça fait flipper. Attends. Oh boy. J'ai pas mal... Attends, c'est... La clé. Wow. J'ai entendu un son. Non, je crois que c'était chez moi, en fait, le son en direct. Ça y est, je commence à devenir parano, je deviens fou. Il faudra graisser ces portes. On va penser à graisser tout ça. C'est des médicaments. Du cyanure. Le suicide est envisageable, hein, si ça fait trop peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ramasse. Mais qu'est-ce que c'est que cette cuisine de l'enfer? On peut pas allumer. Voilà. Ça va mieux, là. Il est où, Boubou? Boogeyman! Attends, je crois que j'appuie sur les mauvaises touches. Ah, si, on peut ouvrir, on peut... Ah, des batteries! Battery... Je pense qu'on avait le tour. Il y a des trucs qui tombent. Wouah, putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh purée, ok, donc c'est la cave Evil Dead. What the coach? Coach, go bobo! Slow bobo! Slow bobo! Push bobo! Tu es dégueulasse, mon cher ami. Oh. Voilà. Donc, une rencontre avec notre cher ami Boogeyman. Mais j'ai la lampe torche qui ne fonctionne pas. C'est pas cool. Bon, j'y vais à la sauvageon. Est-ce que j'ai gardé mon stuff ou quoi? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On retente? On repasse par la cave Je vois rien, quoi. C'est ouf. J'ai récupéré un truc. Attends. Ah ouais. Ok, cherry bomb. Bah, cherry bomb, c'est des petits pétards qu'on trouve aux États-Unis en fait, qui ont une forme de cerise finalement. Qui, voilà, elles sont rondes et rouges. Avec une petite mèche. Voilà. Ça rappelle. Les cerises. Ah, je suis pas allé là au salon. Wow, on est chez papy et mamie là. Ah yes. Do you know who I am, Alicia? Yes. You're here because of the voices, right? Yes, I'm here to help you understand what they are. You hear the voices in the night, Alicia? Yes. Where are they coming from? What do they say? Whispers to me. That I need to leave the house. That it's not safe. D'accord, donc elle entend des voix la nuit. Elle les voit, la petite Alicia, et les voix lui disent de partir. Voilà, que c'est pas safe.
Est-ce qu'on se retente la cave? Ok, là on est bon. La cuisine j'ai fait. C'est la cuisine. Attends, il y a encore des trucs. Attends, oui ça. La flashlight. Attends, est-ce que j'ai la pile? Elles sont là les piles. Yes. Pourquoi ça marche pas alors? Je comprends pas. On peut pas se faire un petit sandwich? Non. Ok, ouais, j'aime bien quand c'est allumé, tout est ouvert, voilà. Ça fait moins slapper. Attends, le problème c'est que... Attends, ah yes. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, j'ai ramassé. Mais je vois pas mon inventaire... Je sais pas, il y a une certaine quantité d'objets à prendre et après on peut retourner se coucher. Je ne sais pas, écoutez. Voilà, je suis dissident. Thomas le dissident. Ah, c'est bon. D'accord, c'était juste, fallait récupérer son stuff. Mais c'était marqué, je crois. Ah, putain de sa mère! Ah, putain, mais... Ah, saloperie, va. Ah, putain de sa mère! Ah, putain... Ah non, mais là non. Là c'est pas cool. Là j'ai flippé ma race. Donc Alicia, tu me fais chier. Tu vas garder ton boogeyman, tu vas te l'enfoncer copieusement dans le fondement. Alors, find the... Ta gueule. Désolé, je suis vulgaire là. The pink flashlight and return to your room to continue the night. Eh ben oui, c'était marqué dessus, c'était le port-salut. Mais pourquoi il m'a grippé J'ai mis trop de temps en fait. On va faire ça, on va se speeder le fion. Écoutez, je vous propose de faire une autre nuit. Parce qu'on a besoin de récupérer des forces. Donc voilà, on va récupérer tout le matos. Le problème, c'est... Il y a la mécanique des portes là qui s'ouvrent lentement. Ça veut dire que c'est peut-être daubé. Mais attends, j'ai tout vidé là. Tout est bon. Ah non. La flashlight est là. Là, il y a un truc. C'est des clous. Ramasse-les, comme ça on se tire. J'en ai marre. Voilà. Ah, gna. Battery. Cherry bomb. Très bien. Allez. C'était marqué. N'allez pas dans la cave. À moins que vous soyez très con. Eh bien, écoutez. Là, c'est nettoyé. Hop. Efficacité. Donc là, j'ai des piles. J'ai des clous. Va manger un Snickers chez ta grand-mère. Putain, mais... J'ai passé toute la journée à me faire tuer. Allez, on connaît bien la baraque. Pourquoi j'éteins la lumière? Bonjour l'obscurité, bonjour la poule, bonjour les cartons. J'ai l'impression de vivre un jour sans fin en fait. Ou Edge of Tomorrow. Mais là, il va me tuer si je reviens, quoi. C'est chiant. J'ai pas la lampe. Il y a la respiration, donc ça veut dire qu'il est là. Je peux pas lui jeter un requin à la gueule. Pff. Il est toujours là ou pas? Ok, yes. Night 2. Yes, on s'éclate, on se régale. On se régale, on aime bien avoir peur. Donc... Alicia, come on. You know you shouldn't be out of bed, El. Mum and Dad will get angry again. Oh, stop being a baby. Now close your eyes and count to 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, donc encore une cassette d'Alicia qui raconte ses démêlés. Avec Boogie? Pourquoi? Qu'est-ce que... Dégage! Mais oui, oh, respecte le gameplay. Lumière sur ta tronche, tu dégages. Je t'ai vu! Je gère. On va la voir. 100%, quelle heure il est? 1h du mat, j'ai pas peur de toi, saloperie! J'ai eu peur à un moment, oui, certes, mais... C'est terminé! Ah! J'ai de la batterie, ok, tout va bien. Pas besoin d'aller sous le lit. Pas besoin. Allez, viens, son of a bitch.
Donc attends, il y a eu ce spot là, la porte, le placard. Non, sous le pieu, il a jamais fait, il va me le faire. Il va me le faire. Respiration. Il est pas loin, l'enfoiré. Ramène-toi. Ramène-toi. Il est sous le pieu, je suis sûr qu'il est sous le pieu. Non, j'y vais pas, j'ai assez de piles. Tout va bien. Tout va bien. Je suis tenté, hein. J'ai envie d'aller sous le lit. Attends, on va en profiter. Il s'est tiré, on va aller chercher de la pile maintenant. Où sont les piles? Où sont les piles? Y'a plus de piles? Ah si, ben, je dois embarquer, ok. Je suis full en plus. Complètement full, complètement OP. Allez, qu'est-ce qu'on a dit? Allez, allez, on arrive au bout de cette nuit et c'est bon pour aller voir un psy. 4h du mat, allez, 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 allez. Allez, allez, je sens l'odeur du café. Allez, maman, fais couler le café. Fais couler le café. Allez. Slup, slup. Donc là, c'était juste un effet script pour faire peur. Ok. Mankind. Quantumania. Oh, tu dégages. 4h20. 4 briques. Je t'ai vu. Bloup. Depuis quand c'est ouvert ça? Non, ça craint, je suis trop me faire voir en fait. Concentration. Concentration sur les respirations. Allez, allez. J'ai entendu un truc tomber, c'est dans la buanderie. Eh oui, garçon! Il reste des piles. Il reste des piles. Allez, allez, c'est presque 6h du mat, oui, cocorico. Allez. La libération. Wouh! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Enfin, amen, on a survécu à deux nuits. Il en reste beaucoup, je pense. Écoutez, écoutez, je dis non. Je dis non. On va aller aux toilettes, on va faire un pipi. Et... Non, on peut pas? Ah non, c'est là-bas. C'est fermé. Bon, je vais enlever le casque. Ah. Eh bien, c'était formidable, on s'est éclaté. C'était de superbes sensations inoubliables. Je vais aller pleurer dans ma chambre tout seul. Avec ma lampe de poche, bien évidemment. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne... tout ce que vous voulez. Des bisous pour lui barbu. Merci d'avoir suivi ce Let's Play de la peur. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode sur le bazar. Merci beaucoup. À plus tard. Soyez forts.